Plus de vulgarité, on a dit. Oda, tu es d'accord? Tout à fait. On a dit plus de vulgarité. Moi, je squatte tes jambes, personnellement. Excuse-moi, John ou Greg ou Mathieu. Mais elles sont dures, tes jambes. Mais voilà. Oda, petite de poulet. Ah non, là, par contre, j'ai la tête dans le coin. Oda, franchement, on te kiffe. Tu sais que depuis hier soir, j'ai encore plus envie. Il y a une caméra qui veut bien venir, je suis toute seule. C'est très chatouillage. Non, s'il vous plaît. Allez, c'est un petit truc avec Oda. Allez, je vous ai menti, je crois. J'ai plus de voix, je suis fatiguée de la sympathie. Oda. Ouh, arrêtez, s'il vous plaît. Oh, le truc. Oh, en fait, ça veut dire. Oh là là, Christian, oh non, doit oh non, continuez. Oh, il est peut-être fatigué, ce mouillé, là. Bon, les gars, il faut que je vous raconte un truc. Vas-y. Ouais. Si un jour on est en rupture, vraiment on crève de faim, je voulais vous dire qu'il n'y a aucun problème. Parce que moi, je suis un mec... Moi, je suis un mec prévoyant. Espèce d'enfoiré. Je cherchais partout le Nutella. Non, mais attends, ça, c'est ses cadeaux. Bon, si vraiment on est mort de faim, je vais vous dire un truc. C'est que je pense qu'on peut, on est cinq, je pense que ça le fera, tu vois. Donc si vraiment, vraiment un jour vous êtes malade. Vois, chaque semaine, on appelle la fatigue. Tu vois, si tu regardes Greg, tu te dis que tu es vraiment fatigué pour être autant mort de rire. Donc, vraiment, si un jour vous avez faim, n'hésitez pas à appeler moi. Arrête! Greg, respire. C'est énorme quand même. Oh. Écoute, j'en reçois, on me les offre. J'en reçois, on me les offre. Lui, on lui fait des habits. Tu vois la différence entre. Non, ça des médailles gravées à leur équipe. Et je ne citerai pas de nom, mais on reçoit des cadeaux. Des fois. Hey, non, mais des fois. Hey, je voudrais de la confiture de fraises. Et la semaine prochaine, t'as du pot. Non, c'est énorme. C'est vrai qu'il y en a certains. Je me souviens avoir reçu un crayon à plumes. Enfin, un crayon plumeau quand même. Que j'ai. Bon, malheureusement dû m'en séparer avec le cœur déchiré. Je veux dire. Hey, première semaine, je viens ici et je reçois deux peluches. Tu te souviens de cette histoire? Tu reçois deux quoi? Je reçois deux peluches. Oui, oui. Génial, tu vois. Et Tina, elle me dit. Non, elles sont parfumées. Hein. Et j'arrive au château et je raconte l'histoire, machin, et je dis. Tina me dit ça, elle me dit, t'as vu, elles sont parfumées. Je dis, non, j'ai pas senti. Je les sens. Et je dis, oh, ça pue, une force. La semaine suivante, j'arrive sur le Prime et on me file deux lettres. C'était, merci de nous avoir dit que nos pluches puaient. Et là, c'est le drame. Un roman de solitude. Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est. Oh, putain. Ouin, 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 ouin. Comment perdre deux fans? Ouais, grave. Mais il se plaint en plus. Vas-y. Non, mais il sent bien que je rigole. Tu sais qu'il y a une nana, je lui ai dit, mais t'es naine. Karine, elle est adorable, hein, tu vois. Depuis, elle m'écrit Karine la naine. Oh. C'est génial. Elle est là. Je te jure, c'est énorme. Bah là, elle est là. Elle est con. Elles sont adorables. Je reçois des lettres de fans, mais attention. C'est trop tard. Alors, elles sont adorables. J'ai reçu un dessin. J'ai vu que vous avez reçu des portraits. J'ai quand même reçu un dessin. On m'a dit que c'était un dessin. Elle m'a dit, je t'ai dessiné, je t'aime vachement. Donc je dis, si tu me vois comme ça, on va pas être amis longtemps parce qu'il y a quand même un moment où c'est pas possible. C'était après mon traitement de cortisone. Je crois en toi. Moi, je crois beaucoup moins en tes talents de dessinatrice. Non. Oh. Après toi, on va regretter la semaine prochaine. Non, mais je déconne, ça que attends, il y a écrit numéro 1 dessus. Elle est très mignonne, Yannine, qui m'écrit, regarde, Alice. Regarde Greg, elle est de mort de faim. Elle est mignonne, mais vous la voyez, elle est sans arrêt là. Greg va t'emprunter la photo ce soir. Non, non. Moi, j'en ai la même, mais nue. Quoi?
J'ai la même telle en nu. Non, putain, moi j'ai la crève grave. Je suis malade, je suis énervée. Et puis. Moi je suis pas sûre que ça va mieux. Mais je me sens bien hein, parce moi, que je les ai vus. Mais putain, moi je me sens super bien parce que je les ai vus cet après-midi. La tête que j'ai sur la photo, je suis pas gâté en général par les photos. Ça va, en effet. C'était bien là, Mathieu. Mais moi, et vous savez que tout ça, c'est vraiment que ce que j'ai reçu. C'est-à-dire, j'ai rien d'autre. Bien, j'adore. Et puis mon plus grand moment quand même, mon plus grand souvenir du deuxième Prime avec les peluches, ça a été de sortir, genre parce qu'on dit, je dis, on m'appelle, donc je sors. Et personne ne me demande mais rien. Je suis sur le truc non, mais et j'entends. Il est où Craig ? Non mais j'étais là, on était tous les deux, on a voulu faire les malins à sortir. Ah, tu étais là. On était tous les deux, mais c'était nous. On a on fait sort, le secrétaire. Mais rien. Rien. On sort, on fait. Il est où Greg ? Il est où Greg ? On était là, on n'en pouvait plus. Il n'est pas là, Greg. Et nous, nous, on est là. Et nous, on était sortis, on là, était contents. J'étais heureux. Super mal à l'aise. Et ben non. C'était fini. Grand mot attends, on va faire une photo. Tu sais, quand t'arrives sur le prime, jeudi ou vendredi, tu sais, tu traversais, puis il y a des gens toujours. John, machin, moi, on ne demandait rien. J'étais genre, je traçais à tête baissée, limite, tu vois, parce que j'avais honte. Attention. Yeah. J'ai l'appareil. Prenez-moi en photo avec Greg. J'ai l'impression de faire le fan de base. Greg. Ah, je suis content de prendre une photo avec toi. Attends. On fait une sale tête. Attends, appuie sur le flash. Attends. Non, mais il faut rester le même. Mathieu, on fait une sale tête. Ouais. Vraiment une sale tête. Flash. Parce qu'en prenant une photo avec Greg, je suis à peu près sûr qu'il l'a fait. Qu'il l'a fait. Surtout Greg, mais. Il faut que tu appuies sur le flash. Non, mais il faut que tu laisses le bouton dessus. Le doigt dessus. Oh putain, c'est comme pour raconter des blagues, elle. Pas mal. Regarde. Moi aussi, j'ai perdu la vue. Est-ce que tu penses. Arrête. C'est fatigant. Notre petit boubou, mes boules caisses. Elles sont affreuses. Ah, le soir, t'es moche. C'est monstre. T'es moche le soir. Parce que moi, j'ai vraiment. Mais vas-y, c'est monstre. J'ai des suppos. Ah ouais, mais tu as ça dans l'oreille et là, tu passes quoi ? Tu te réveilles. Énorme. Le mec, qui sont venus faire l'émission de radio là. Quoi ? Le matin où il est venu, oui. Il a ouvert la porte, il a fait avec sa truc. J'avais mes boules caisses, les deux trucs jaunes et pas mes lentilles. Je me suis vu, j'ai fait. Tu me piques qui ? C'était énorme. Non mais c'est pas un truc comme ça. Ah j'imagine. Et il y a Radia qui hurle. Mais tu te souviens de ce truc ? On était dans la chambre 3, nous. On était tous. Moi je me souviens, la première fois que j'ai sorti, c'est je sais pas qui était, mais tu vas te prendre du ketchup dans la gueule. Tu te rappelles ? C'était à côté, je me suis levée aussi, je vais courir. Et ça a pas loupé. Hein. Et Karima, et il m'en veut. Tu te rappelles ? J'ai une allergie, dis non. Le mec il devenait rouge, Florian. J'ai eu au téléphone deux jours après, tu sais. Non mais ça va. Parce que je l'ai nominé, tu sais. Ça va ? Tout va bien ? Tu étais nominé déjà ? Ouais. C'était ma première nomination. Excuse-moi. Non mais là j'affronte mes noms tout de suite. Du coup, dans des noms. Oui, c'était à quelle nomination, genre ? Non mais là, c'est nerveux, là, je pense t'as vu même la chanson des profs hein. John ne s'est pas nominé ! Pas nominé ! Et pourtant, excuse-moi. C'est une belle surprise, hein, franchement, de la part des profs. Les jambes sont lourdes. Mais c'est les siennes qui sont. Les jambes sont lourdes. Que tu reviennes. J'ai le nez bouché, ça m'énerve. T'as débouché. Mais j'ai le nez bouché. Mais j'ai pas envie de rater les évals à cause d'un nez bouché. Eh ben écoute, moi j'ai dis pas que t'es malade parce qu'ils s'en foutent. Immortel. Pas enfin, non, dis le. Oui, je vous garantis qu'ils s'en foutent. Hein. Ça sert à rien d'aller à l'hôpital. Hein. Ils s'en foutent. Hein. J'ai essayé, ça a pas marché. Je veux dire, moi j'ai essayé. Mon pote, c'est un pote à moi, le mec à Melun. J'ai essayé. Mon pote, c'est un pote à moi, le mec à Melun. Du bien. Eh ben ça fait du bien de se retrouver en petit comité. Oui. Hein, carrément. Hein. Oui. Non, parce que autant on n'a rien contre les autres, franchement. Non. Parce que quand ils sont pas là. Je déconne. Attends. Simplement réaliste. Surtout que ça, s'ils coupent après, tu vois. Quand ils coupent au montage, ça c'est les phrases qui déchirent tout. Tu rentres dans le bus, tu te fais tuer. Faut pas faire de même.
s'est passé dans le bus. Oh putain. Super bien, vraiment. Arrêtez, énorme. Faut pas j'ai bien répondu quand même. Ouais, ouais, on a tout pleuré, ouais, c'était super faut bien. Faut pas faire de Mathieu. Et il y a eu certaines surtout réflexions. Surtout pas faire de messe basse au gars. Concernant. C'est pas bien. Oh non, c'était plus violent d'habitude quand même. Non, non, là c'était bien. Non, mais genre, je lui dis. Prends pas ça dans la gueule, quoi. Jamais. Genre, je parle doucement, mais je parle assez fort pour que tu m'entendes. Est-ce que vous doucement. Avez une couette comme ça pour moi, en fait, s'il vous plaît? Mais c'est-à-dire un moment où, tu vois, là, il faut aller taper un médecin, il faut aller te chercher une nouvelle couette. Le public, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas l'artistique qui compte pour le public. C'est pas grave, Mathieu, tu sais. Ce fut assez agressif, j'avoue. Hein? Tu vois, tu es malade. Ils sont derrière toi, genre. Ouais. Et sois vraiment malade, et ce jour-là, je t'aiderai. Tu sais faire un sympa. Tu vas où, Oda? Poser des questions. J'ai faim, j'ai une faim. Des questions. Putain, une raquette, c'est terrible, mais oui, faut qu'on la mange, quoi. On va pas la regarder. Je vais pas demander pour moi, je vais aller voir. En fait. Débrief, je le sens pas que je suis vraiment. Je me demande s'il y a un débrief, il est 9h15. 9h15, quoi. Et avec Maïlou, il dure pas une heure, quoi. Ah, on se fait 2h30 de débrief à chaque fois. Non, mais c'est de moins en moins long, ces débriefs à Maïlou. Et écoute, cette couette, j'en peux plus. La couette, c'est quoi? Tu la fous et puis c'est tout. Oh, bah, toi, tu changes jamais tes draps, je vais prendre ta couette. Toi? Bon, laisse-moi me lever, sinon je vais vomir. Tu veux que je te fasse un massage pour le gel moussant? Non, mais tu veux me faire un massage tout court, ce serait sympa. Regarde, je te fais un massage de gel moussant. Non, non, il va le faire, ce con. Il peut pas se permettre. Non. Moi non plus, d'ailleurs. On a trop de fans de femmes dehors, tu vois. Mm. C'est pour ça, en fait. Je vais parler à quoi, pour pas fais moi, toi. Parce que c'est mon la sensuelle, ouais, la doccia. Ouais, c'est vrai. Je peux pas rigoler des fois dans des i parce que t'es oh là. Arrêtez, j'en peux plus. Ouais. Oui, il faut que oui, je... oui. Oh, ça m'énerve. Chaque fois, ça dure deux plombs pour ranger la couette, tu vois, regarde. Et sur ce, Mathieu n'arrive pas à faire la couette. Mathieu pète les plombs. Et puis, c'est valise. Et prends ses valises et s'en va du château. Tout le monde est connard. Qu'est-ce que c'est ça? Merde. Ah, moi. Même les couettes sont truquées. Oh, elle était belle, ça. Pas c'est... mal. Mieux, hein. T'es sûr que c'est la liste? Je suis sûr qu'il y a des micros sous-lits, carrément. Là, par contre, c'est peut-être une blague. Attends, ouais, mais comment ils font pour nous entendre quand on chuchote? Avec Carmen, le paix qu'ils ont lâché sur le matelas, là, nous, ça va résonner dans leur oreille. Ça raconte pas l'orchestre. Alors, tout aura lieu quand, au retour des autres, et le manger et le débrief. Il va durer jusqu'à 2h30. Il me dit, ça va aller, tu vas tenir. Il me dit, de toute façon, si jamais t'as du Nutella. Oh, c'est mignon. C'est joli. C'est une fille ou un non, un monsieur. Ah, oh, c'est mignon, non. Non, c'est vraiment pas mignon. Non, je l'ai attendri, tu vois. Je te fais un massage. Oh, génial, parce que tu as couché à 9h. Non, c'est du gel moussant, c'est du savon. Je vais me lever à 9h demain. C'est ça qui est super. J'adore, moi. Bon, excusez-moi, je vais est-ce que quelqu'un peut m'aider parce que je t'en déconne, c'est le genre de truc, non, ça me fait déprimer pendant deux jours. Non, j'ai eu. Non, parce que. C'est quoi? C'est quoi? Parce que. Énerve, tu vois, vas-y, comme ça, tu te casses le château. Non, je peux pas nous laisser quand même. Non, ta voix. Ah, voilà. Ta voix. Non, mais dis pas non, c'est trop tard. Non! T'as les oreilles sales, attends. Oh putain! Je t'aide. J'ai le douche. Tu sais quoi? Tiens. Tu veux que je te dise? Attention, il reste son micro, ça veut dire qu'il va y avoir de l'eau. Il va y avoir de l'eau. Tu vas pas encore nous montrer ta poitrine. On t'a déjà mis à poil en plus ici. Et le mec baisé. On va voir tes deux excroissants. Mais vraiment. Oh, tu sais quoi, Oda, t'es vraiment une femme parfaite. Je comprends, Christophe. Tu crois? Moi, c'est bizarre que je comprends pas. C'est bizarre, hein, tu vois, on se demande. Et là, Greg s'empare de Lucie. Arrête! Tu vas me faire quoi? J'en ai marre d'être maltraité ici. Allez, va-t'en alors. Bah, hey, si tu veux pas être maltraité. Mais je me venge. Comment tu veux te venger? Fais attention, te fous pas des claques. Arrête un peu. Mais arrête! Il mange de rire. Putain, mais arrête. J'ai pas de force. Là, pour bah moi non plus, tiens. Tu peux m'aider au moins à me pincer les cheveux, s'il te plaît. Si tu veux. Ah, attends, touche-moi pas. Mais arrête, j'ai je suis propre, moi. Touche-moi pas, Greg est foncé. Allez. Arrête, tu fais des bisous. Hein. Ah, mais non, maintenant. Je... Mais attends, tu sais pas te laver les cheveux. Non, t'en laves la bonne, non. Mais tu prendras ta revanche.
mais hé, hé. Hé, profites-en pas pour... Aïe. Pour me toucher. Ouais, ouais, non, mais elle me plaît, c'est grave. Je te jure. Je me rincerai les cheveux tout de suite.